Kay, aujourd'hui on se retrouve pour un tournage très particulier, c'est pendant toute une semaine avec No School. Et dans cette vidéo on va vous montrer les backstage, il y a de nombreux intervenants, notamment un aujourd'hui qui s'appelle Valentin Kretz. Yes, donc du coup il y a un membre de la famille Kretz qui est Valentin. Et on va filmer cette intervention et on va vous montrer tous les backstage de cette journée. C'est parti, let's go, on vous emmène avec nous, photo, vidéo. La pression monte parce que Valentin, c'est la première fois qu'il prend la parole en public. Les étudiants sont en train de s'installer dans la salle et l'intervention de Valentin va commencer. Là, on parle pas trop fort. La conférence est actuellement en cours. Ça se passe super bien. Il y a beaucoup de choses à filmer parce que la salle est très très grande. Donc Hugo, il s'occupe de la partie photo et moi de la partie vidéo. On court un peu partout dans la salle pour rien louper des moments forts. Ouais, j'ai kiffé. En fait, ça dépend des moments. Il y a des moments où tu dis j'accroche sur un mot et puis ça te déconcentre un peu et là tu te dis ok, ils sont plus là. Et des moments où t'es bien et tu te sens bien et là tu sens que t'as ton audience. Non, c'était une très très belle expérience. Je suis trop content et puis l'école est trop sympa. La directrice est énorme. Et franchement, avant-gardiste, digital, c'est comme on partage les mêmes valeurs. Donc voilà, un succès. Merci pour l'invitation. Ça y est, la conférence de Valentin vient de se terminer. Maintenant, place directement aux retouches des photos. Je rejoins Hugo dans les loges. Le voilà en train de retoucher déjà les photos. Alors pour l'instant, un port en cours. Il y a quand même 300, il y avait plus de 360 photos. Donc là, le port, il est en cours. Donc on va retoucher les photos ultra rapidement. Comme ça, au moins, ça nous permet de les airdrop ensuite à l'équipe com de nos schools, ainsi que directement aux conférenciers qui sont passés pour les classes. Et ce qui est super important chez Cosmos, c'est la réactivité, vous l'avez compris. Du coup, qu'est-ce qui se passe, Hugo? Et bien là, retouche des photos terminées à l'instant. Et donc là, ce que je me fais, c'est que je me fais un airdrop sur mon téléphone pour ensuite les envoyer à Laurette. Donc on va peut-être même faire depuis directement l'ordinateur vers Laurette, qui est la directrice communication de No School. On va aller lui montrer les petites photos. Laurette? Ouais. Yeah. Non. Trop bien, allez. Très sympa. Vous avez mangé? Parfait. Manger, ouais. Alors attends, je t'en... T'as déjà tout fait? Ah ouais. Non, ils sont rapides les mecs. Ils sont trop forts les Cosmos, ils sont trop forts. On l'a toujours dit. Ça rigole pas. Trop bien. Trop bien. Attends, il faut que je fasse ça. Ouais, il faut que je fasse. Moi j'ai perdu drop. Ah ouais. Je te ferai un fax. C'est bon, j'ai tout. T'as tout? Ah, trop bien, trop belles les photos. J'en ai pris de vous quand vous êtes en train de regarder la conférence. J'adore. Attends, c'est canon. Du coup, je vais les uploader direct. Oh, parfait, ça vous plaît, impeccable. Nice. Ça y est la team, la semaine vient de se terminer. On vient de filmer les dernières conférences, les derniers spectacles. C'est terminé, on est KO. Mais en tout cas, j'ai envie de te checker Flo. Yes, parce let's que, go, ça fait trop plaisir. Très bonne semaine. Ça a été une semaine bien bien chargée, niveau tournage, niveau shooting. Retouche. Et niveau retouche aussi, mais non, place au montage, on a beaucoup de choses à monter. Mais quand même, on a bien géré parce qu'on s'est bien organisé. Parce que comme vous l'avez vu, chaque jour, toute la partie photo, on l'envoyait. Et toute la partie vidéo était triée par intervenants qui passaient. Du coup, par exemple, là, le Kretz, ben, direct dans le dossier sur le disque dur, il y a tout qui est trié. Et ça, c'est un gain de temps pour le montage. Petite astuce. Exactement. Donc maintenant... tout ça c'est fait, tout est dans la boîte, on a près de 1000 rushs quand même de la semaine entière, donc enfin des 4 jours, donc on a quand même bien tourné, bien shooté, hâte de monter tout ça, ça part en prod et hâte de voir le résultat, ça va être une dingue. Yes, c'était ouf, ouais, franchement, c'était trop cool. Très très bonne semaine, franchement il y a eu tellement d'intervenants avec No School, c'était fou. Ouais mais même l'ambiance, que ce soit l'équipe, les étudiants, c'est... Et du coup par rapport à cette semaine, qu'est-ce que tu as à retenir et qu'est-ce que tu pourrais en retenir? J'ai envie de dire, pour synthétiser et pas faire un monologue, déjà ça serait famille, équipe, parce que je pense que c'est ce qui est ressorti sur cette semaine-là. Que ce soit l'équipe administrative de l'école, voilà, on forme une belle team, mais on forme une très belle team aussi avec nos étudiants. Parce que je pense que la plupart de nos étudiants ont les mêmes valeurs que nous et ça crée vraiment de très belles vibes. Donc je dirais ça et enrichissant. Parce que on apprend toujours, même si c'est la troisième saison de la semaine des soft skills. Cette troisième saison a été surprenante et enrichissante.
trop bien, trop trop cool. Et en termes d'organisation, vous êtes organisé du coup déjà avec tous les prestataires sur la partie événementielle. Vous avez tellement d'intervenants comme je l'ai dit. Et aussi sur la partie prestation par rapport à la photo et la vidéo, vous, c'est important dans la communication. Quel est ton poste d'ailleurs au sein de No School? Qu'est-ce que tu fais? Donc je suis responsable communication événementielle au sein de No School depuis plus de 4 ans maintenant. Okay. Donc j'ai connu toutes ces semaines soft skills. Et en termes d'organisation, effectivement, c'est des mois de travail en amont. Mais là, pour le coup, c'est vraiment toute l'équipe qui s'y met. Il n'y a pas de poste en communication, de poste en événementiel. C'est vraiment toute la team qui s'y met ensemble. Okay. Et oui, effectivement, sur la partie photo et vidéo, pour nous, c'est important. Alors, pas que d'ailleurs sur des gros événements comme ça, parce qu'on est une école qui communique beaucoup, avec une communication un peu différente des autres écoles. Et donc pour nous, la photo et la vidéo, c'est primordial. C'est notre marque de fabrique de communiquer auprès, que ce soit nos étudiants, mais voilà, auprès de Bordeaux et peut-être encore plus loin dans la France. Ça fait maintenant plusieurs événements qu'on travaille ensemble et c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire confiance à Cosmos pour ce gros événement qui est un de nos plus gros événements de l'année. Ouais, trop cool. Mais en tout cas, merci pour la confiance parce que ça a été vraiment un plaisir de pouvoir travailler ensemble sur toute cette semaine. Ça a été vraiment intense, comme on l'a dit. On a bien couru partout, le nombre de pas à chaque fois. Il a été explosé à la fin de la journée. Les gens sont lourds. C'est ça, exactement. Mais franchement, non, c'était trop cool. C'était trop, trop cool. Je te remercie en tout cas. On te remercie avec Hugo qui est derrière la caméra. Merci à vous surtout. Ouais. Et puis, je pense qu'en plus, vous avez déjà eu les premiers retours des étudiants et des prestataires sur la qualité de vos photos, de vos prestations. Et puis, c'est pas le dernier projet. En fait. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bah, en tout cas, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.